Et bonjour tout le monde! Alors, deuxième épisode, après avoir eu tous vos retours, alors là, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que là, franchement, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de super retours, plein de pouces verts dans tous les sens. Enfin, franchement, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous aimiez la série. J'ai peut-être un petit peu de retard, j'avais dit que je la mettrais pour vendredi, elle apparaîtra sans doute samedi, si je me trompe pas. Bon, c'est pas bien grave, hein. Bon, on est là, on va enfin pouvoir jouer dans ce monde. Alors, je suis allé me renseigner un petit peu sur le mode, mais pas trop non plus, parce que j'ai envie de découvrir un petit peu. Donc, tout ce qui est minerai de ça, j'ai pas trop regardé, j'ai regardé un petit peu les bases qui en disaient et tout. Ouais, donc faut bien que je vous précise aussi que, comme le mode est en alpha, et bien, on va rencontrer assez souvent des bugs, hein. Donc, ce sera pas trop trop étonnant si on tombe sur des bugs. Alors, bon, déjà faut pas tomber, parce que il me semble que si on tombe, on tombe dans le monde réel et pour aller récupérer son stuff, enfin le monde réel, le monde qui est en bas, le monde d'où on vient, pour aller récupérer son stuff, c'est une vraie galère. Donc on va éviter, ok? On va vraiment éviter, parce que j'ai vraiment pas que ça à perdre comme temps. Alors, je vais essayer de faire mon mieux pour vous montrer le plus de choses dans cet épisode. On va faire un petit peu de minage, un peu de minage, la construction un petit peu, je vais commencer une petite maison. Je sais pas, on va voir ce que je trouve. J'essaie de me faire un chemin facile pour le portail, si possible. Ah, j'ai des petits. Oh, c'est bizarre. Petite perte d'FPS, je sais pas trop pourquoi. C'est pas bien grave. Déjà, on a du minerai là, je sais pas ce que c'est. Je connais pas du tout les minerais, j'ai vraiment envie de découvrir avec vous. Ou peut-être que vous connaissez déjà. Alors, mettons ça. Comment ça s'appelle? De l'ambrosium. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, on essaiera. Par contre, pour les crafts, j'hésite à installer too many items parce que, enfin, vous allez me dire si vous voulez bien ou pas. Bien sûr, ce sera pas, évidemment pas pour me giver des choses et ça, ce sera juste pour voir un petit peu les crafts qui sont possibles, pour me donner un peu des idées. Et enfin, c'est assez net quoi, ça permet de voir des choses plus facilement. Évidemment, je ne me donnerai rien, je ne changerai rien autant avec. Enfin, voilà, c'est juste pour me donner une idée. J'avais envie de vous demander avant de l'installer. Vous me direz. Ça sera déjà ça. Oh ouais, bon, alors c'est un peu moyen le chemin, mais bon. Ok, on arrive. C'est une bête ça. Ouais, c'est une bête. Je vais pas trop m'en approcher. Ok, j'ai une épée. Oh non, sois gentil, hein. T'es gentil. Dis-moi que t'es gentil. Ah non. Oh, oh, devant le portail. Ah d'accord, bah c'est normal, ok. Ok, bon bah 20 niveaux dans les fesses, hein, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, au moins on aura vu ce que ça fait de tomber. Bon bah voilà, alors les petites bêtes là, faut pas s'en approcher quand on est près du bord. Et Piggy, qu'est-ce que tu fais là? C'est là-bas que tu dois aller, toi. Bon, ok. Bon, bah, super. Faille pour commencer. De toute façon, c'est toujours plus rigolo. Ça va encore me faire le bug du portail. Ouais, je crois bien. Ok, bon. Hop, on est reparti. Non, vraiment pas? Si, voilà. Ok, bon bah c'est un peu dommage. Bah 20 niveaux de perdu, c'est un peu bête, surtout comme ça, mais j'avais aucune idée de ce qui me faisait aller. Je vous ai dit, j'ai quand même essayé de me renseigner le moins possible parce que c'est quand même un peu de la découverte. Même si je sais qu'il y en avait certains qui ressortaient du 1, mais j'ai pas beaucoup joué au 1, j'ai pas regardé de let's play sur le 1. Tu dégages, espèce de saloperie. Je sais pas si c'est tuable, hein. On dirait. Arrête! Ah! Mais laissez-moi! Non! Mais c'est dangereux ici, mon Dieu! Ok. J'ai pas envie de perdre le portail. Comment je pourrais le marquer? Alors, on va faire ça à l'arrache. Dégagez. Histoire de se retrouver. Hop, voilà.
Et mais il y en a partout ces trucs-là. Ah, j'aime bien les arbres. Ah non, sérieux, arrêtez. Je sais pas ce que j'ai ramassé. Des blueberries. Oh, ils vont m'énerver, ceux-là, je le sens bien. Des blueberries. Alors, ça doit être sans doute pour se nourrir. Je vais tout de suite en manger une pour voir. Ok, c'est pour se nourrir. Bon, bah, c'est une bonne chose déjà. Ah, ça y arrivera sans doute des gros lacs comme ça, parce que c'est pas mon ordi qui a, mais c'est en fait avec Fraps. Il y a une espèce de petit truc, un petit problème qu'il faudra que je règle. C'est qu'en coupant mes pistes vidéo, il me fait complètement laguer Minecraft, et c'est toutes les 5-10 minutes. C'est un peu énervant. Enfin, c'est pas gênant, mais c'est déplaisant, quoi, de se taper des gros lacs comme ça tout le temps. Alors qu'on pourrait très bien l'éviter, alors je vais trouver un moyen de m'en occuper. Ah, je vais regarder si on peut faire des torches déjà avec ça. Non. Bah, c'est peut-être pas, peut-être avec un autre bois. Comme dans le dans Laser, où il fallait du bois de la dimension. Donc je fais un petit sapling. Je vais couper le bois. Hop. Et aller à la main. Alors désolé pour ceux qui s'y connaissent dans ce mode, enfin dans ce mode-là, oui. Parce que moi, j'y connais pas vraiment grand-chose. Je vous dis, j'essaie de me renseigner, mais pas trop non plus, parce que ça pourrait gâcher un petit peu. J'ai beaucoup de cobble. Donc, voilà. Bah, si vous avez des conseils, par contre, n'hésitez vraiment pas. Hein. Je suis vraiment preneur. Ça, c'est un arbre. À quoi? On dirait de l'or. Ça se casse? Ouais. D'accord, bon bah. C'est bizarre. Ça se casse peut-être avec quelque chose d'autre. Bon, je vais le laisser. Pas le casser vu que ça donne rien. On dirait si ça, il y a un moyen de récupérer ce qu'il y a dessus. Écoutez-moi, je serais pour m'installer quelque part comme ça que je puisse visiter tranquille et que ce genre de saloperie là, il me laisse tranquille. Dégage! Ah, voilà, je l'ai tué. Hop. Donc je vais m'installer pas trop loin du portail, puis de toute façon les zones se ressemblent à peu près, donc que j'aille plus loin ou sur une autre île, je sais pas si ça change grand chose. Alors j'ai vu qu'il y avait des. Il y avait des plein de plusieurs bestioles. Et bah déjà ceux-là je les avais pas vus, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vu qu'il y avait des. Je me rappelle plus du nom, désolé, mais j'espèce de dindon là. Dindon. Il est où mon portail? J'ai quand même mis. Et un pini géant, mais je le retrouve. Oh, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Ok, il est là. Mettre une petite torche. Et je vais m'installer par ici. Ce sera pas définitif, mais. Ah! Foutez-moi le camp. Pas un peu de fer? J'ai pas de fer. Me semblait avoir du fer, c'est bizarre. Ou alors je suis complètement bigleux, je le vois pas, mais. Non. Bon, écoutez. C'est pas grave. Ça se casse vite, le voisin. Arbre volant, c'est pas grave. Wow, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Dégage! Bon. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Oh. J'ai quoi ça? Poison nausée. Ah, la sale bête. Donc c'est ça la bestiole que je voulais vous dire. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je savais pas qu'elle crachait des trucs comme ça. Ok, donc j'ai pas trop mon. Mais. Sérieux? Aïe. Laissez-moi tranquille. Ah, ça, c'est un. En plus, c'est un effet dégueulasse sur l'écran. Excusez-moi, je vais vous donner la gerbe à tout ça. Non mais c'est pas tranquille en fait ce mode hein. C'est hardcore. Du bois et avec ça, est-ce que si je fais ça et que je fais ça et que je fais ça. Ah, trop fort. Trop.
Ah si, j'avais dû faire, ok, il faut que je le fasse cuire. Je me mets à l'abri un peu parce que là, ça commence à me saouler, qu'il me m'empoisonne, qu'il me pousse, qu'il vole ma mort, tout simplement. Donc, voilà. Je leur ai rien fait, il commence déjà à me chercher. Hop. Oups. Donc, c'est pareil, je ne connais pas les minerais qui valent plus un que l'autre. C'est pareil, je compte sur vous aussi pour me donner des petites infos. Si je fais pas de porte, c'est pas top. Sais pas s'il faut les tuer, mais bon. Là, vu qu'il m'enquiquine un petit peu, et ben écoutez, j'aurais pas de pitié. Mais encore, mais c'est. Plus j'en tue, plus y en a, c'est ça? Ça donne envie de dégueuler ce truc. Évidemment, j'ai pas pu ramasser la table. Est-ce qu'on peut s'en faire une comme ça? Ouais. Oh. D'accord. Skyroot. Skyroot, non, c'est quoi? J'ai pas pu voir. Je sais pas si c'était Sky ou. Il y a beaucoup de blocs différents. De ce que j'ai pu voir aussi. Je vais me faire un coffre, sérieusement. Dégage. Juste assez. D'accord. Ah bah pour le tous les bois qu'on a apparemment c'est des couleurs différentes. C'est sympa. Je vais mettre ça à cuire. Autant de cobble. Ce sera tout. Ça fait déjà pas mal de place. Maintenant. Je vais rechercher un petit peu de bois. J'ai ramassé quelque chose, je sais pas si vous avez vu en haut. Je sais pas pareil à quoi ça sert. Ça doit être peut-être pour les donjons, je ne sais pas. Ah, j'en ai ramassé un autre. À mon avis, c'est en tuant les mobs. On doit gagner ça. Dégage. Ouais, on gagne ça en tuant les mobs. Bon, eux, ils sont pas trop méchants encore. Juste pas qu'ils me fassent tomber. Ce serait plutôt sympa. Ok, on peut replanter donc ça va. Ah, j'ai déjà coupé. Oui, bon, d'accord, j'ai déjà coupé. Moi, je me rappelais déjà plus. Non, mais attends 2 secondes, s'il te plaît, mec. Eh oh, doucement, doucement. 2 minutes? Ouais. Ouais, c'est quoi ça? Oh! 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 Pourquoi ils sont pas méchants? Pourquoi ils sont méchants comme ça avec moi? Bon. C'est complètement hardcore ce mode, hein. Alors là, je sais pas si c'est lui qui a dû me foudroyer. Ça m'a fait bien mal. Il m'a dû me virer 4 ou 5 heures d'un seul coup. Donc c'est pas trop trop sympa de sa part. Allez, dégage. Ah oui, non, mais vous. Les dégâts qu'il me fait? Oh, les dégâts qu'il me fait. En fait, faut y aller overstuff dans ce monde. Ouais, ça faudrait que je voie si vraiment c'est pas possible. Va falloir que j'aille farmer le diamant et les niveaux. Et que je me fasse un meilleur stuff parce que là je me fais vraiment trop. Me fais vraiment sodomiser un petit peu quand même. Hein. Et j'avance vraiment. Mais laissez-moi tranquille. Ça serait bien que Monsieur Ghost Witch machin, je sais pas trop quoi là. C'est bon, t'es plus là? Ouais, c'est bon, il a eu peur. Sérieux, laisse-moi tranquille. Ah non!
Bon, je vais dégueuler. Bon. Ah putain, c'est horrible. Ah! Laissez-moi. Excusez-moi de vous avoir embêté. Ouais, vous allez me dire aussi, pour ceux qui savent, si ça vaut, si vaut le coup de se faire un équipement dans le monde du bas. Ça c'est une porte normale, ok. Dans le monde du bas pour pour pouvoir tenir plus facilement, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué, alors à moins qu'on aille miner. Mais bon, c'est une île quand même, faut faire gaffe parce que voilà quoi, il y a un trou en dessous. Le fer, avec fer cuir, ma cobble, j'en avais déjà. Ok, tu seras bien là. Encore un. Voilà. Attends, les cocottes, je vais vous prendre. Voilà. Le coffre, qu'est-ce qu'on a de bien? On a un diamant. Niveau bouffe, que dalle. Faudra que pour le prochain épisode je fasse quand même un petit peu de provision de mon côté. Parce que l'intérêt c'est pas trop de vous montrer le monde du bas. Je vais essayer d'éviter, donc tout ce qui est minage en bas, je vais le garder pour moi. Par contre tout ce qui est ici qui concerne ce monde, je vais tout faire avec vous, je pense. Hein. Ce sera très rare que je fasse des ellipses. Ce sera juste pour éliminer des petites choses en bas, en tout cas au début. Et puis on se retrouvera après. Une fois que j'aurai. Que j'aurai des choses plus intéressantes si on a besoin, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ah oui, merde. Dites-moi qu'il me reste du bois. Zut. Ah. Voyons voir. Ah, super. Ça sera bien ici. Comme des cochons. Ça marche mieux avec ça? Ouais. Ok, bon. Donc apparemment, ça a pas l'air d'être un minerai vraiment rare, ces espèces de torches. Ouais, c'est des torches. Hein. Enfin, je sais pas si ça sert à quelque chose d'autre, j'imagine. Je pense que ça doit faire office de charbon aussi. D'ailleurs, on va les prendre à la place. Ouais, d'accord. C'est la même et c'est clair pareil. On me ramasse un petit peu. Bon, même si j'avais pris de la masse de charbon en pensant que je trouvais pas ce genre de minerai. Bon, c'est pas bien grave. Alors, j'espère que je vais tomber sur un truc assez bien, histoire de pouvoir au moins me défendre un minimum. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai pas du tout pensé à me faire une armure. C'est bête de ma part. Plus, c'était pas le fer qui manquait dans les mines. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Allez, montrez-moi une nouvelle couleur. Nouvelle petite couleur. Ce serait gentil de votre part. Ça veut dire quoi ça? Que ça se casse facilement? C'est qu'attention, tu vas tomber? Ouais, j'ai l'impression. Pareil, je sais pas aussi si c'est comme le diamant, il y a du minerai plus de meilleure valeur plus on descend ou. Bon, déjà, j'ai l'impression de descendre quand même pas mal là. Il me semblait pas que c'était. C'est aussi profond. On continue. Moi, je n'ai trouvé aucun minerai, aucun autre minerai. Je continue. Jusqu'à que le trou s'ensuit. Bon, je vous éclaire à donf. Hein. Bon, t'es sur mon chemin, je te mine. T'as de la chance. Hop. Voilà.
Oh. Au fait, pour ceux qui se demandaient pour mon nouveau let's play, ça va prendre du retard puisque j'ai toujours pas reçu mon adaptateur pour mettre mon boîtier d'enregistrement de gameplay. Donc je comptais vous le faire. Ah, un nouveau minerai. Qu'est-ce que c'est? Du zanite. Zanite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est super bien? Est-ce que c'est complètement de la merde? Telle est la fucking question. À voir. Je vais pas m'en servir, j'attendrai de voir si ça vaut quelque chose ou pas. C'est pour ça que je vais installer too many items pour le prochain épisode pour voir un peu le classement des armes, on va dire. Et le wiki peut-être interviendra en cours. J'ai un petit peu. Voilà. Ah oui, donc je vous parlais, prochain let's play, je comptais vous le faire sur The Last of Us, mais bon, en ce moment j'ai plus trop les moyens de me payer des choses, donc surtout le jeu est pas donné encore, donc je sais pas encore, mais il y aura un nouveau let's play, je sais pas s'il arrivera de suite, en tout cas je vais voir ce que je peux faire, j'aimerais bien quand même vous le faire sur The Last of Us. Ça me ferait vraiment plaisir, mais je vous le dis, ça va être compliqué niveau fi financièrement. Surtout pour ceux qui me posent encore la question si je gagne des sous sur YouTube, non, pas du tout. Donc, c'est quoi ça, ce souci? D'accord. Bon, je vais pas aller voir l'autre. Donc non, je peux pas m'acheter des jeux comme ça. J'ai pas de partenariat avec des choses pour avoir des jeux. Donc non, c'est vraiment tout à mes frais. Je cherchais quoi? Une piocherie. J'ai bien fait de prendre du bois. J'ai bien fait de prendre du bois. Tiens, je vais en faire un deux. Une nouvelle pioche. Est-ce que... Petit test, hein. Ouais. On peut. Bah écoutez, ça va être l'occasion de tester. J'ai dit que j'utiliserai pas, mais en fait, je suis trop curieux. On va voir si c'est mieux. Puis si c'est quelque chose qui vaut faire. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit mieux en tout cas, comme pioche. Non, vraiment pas, non. Ça a peut-être une plus grande durabilité. C'est possible. Je sais pas. Ah. On s'approche de la fin. Je vais descendre. Saleté en moins. Ok, donc... On peut s'apercevoir qu'on a un arbre en or. J'imagine que c'est un arbre en or, même je suis quasiment sûr parce que vu la texture. Et on peut voir un petit peu. D'accord, on a un minerai orange là. On a du zanite ici. Ah, c'est peut-être pas du zanite. C'est d'une autre couleur. Il est tout seul. Ça voudrait peut-être dire qu'il a un ordre de rareté un peu plus grand. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais je vois un. Un bloc d'une autre. Ah, ça doit être la tour, ça. Ouais, ça doit être ça. Écoutez, je serais tenté d'aller chercher ce petit bloc-là. En faisant un pont. Un pont. Hop. Parce que je suis vraiment très curieux de savoir ce que c'est. Ouais, on va faire ça vite. En espérant qu'il n'y ait pas une sale bête qui vole et qui me pousse dans les fins-fonds de la carte. Ce qui m'étonnerait pas, hein. Ce genre de fait, ça m'arrivait tout le temps parce que... plus de blocs. Donc on y est presque. J'espère que c'est quelque chose de bien. Ce serait bien de trouver un petit minerai à rareté le début. On y est.
Ok. Alors, je me rappelle plus d'où il était. Coucou petit minerai que je connais déjà. Où étais-tu? Faire deux fois le tour de l'île avant de voir ce morceau de minerai. Il est sous mon nez mais je le vois pas parce que je suis complètement aveugle. Ok, d'accord, on a ce minerai là-bas. Il doit être juste en dessous, si vous voulez mon avis. Ou alors il doit être par là. Ou alors il est là. Il n'y en a qu'un, donc ça. Pour ma part, je pense que ce serait. On est bien d'accord, le truc il a décollé, hein. Ouais, bon. Tu t'envoles pas, tu me pousses pas si je te casse. Gravitite. Oh. Bah du coup ça son nom. Ok. Ah donc c'est bien ça. Ouais, on vaut mieux pas le miner si le vide en haut. Ok, donc ça m'a. À mon avis, c'est quelque chose de rare. Ou de rare ou de précieux, je veux dire. À mon avis. Et on va aller voir l'autre. Ça doit être ce que j'ai déjà. Donc ça vaut peut-être pas la peine. Y a pas de gravité. Oh. Écoutez, je sais pas. Je sais pas si ce que ça vaut. Celle-là, je vais pas l'utiliser parce que j'ai vraiment l'impression que ça doit être quelque chose de plutôt intéressant. Donc je vais attendre vos retours. Surtout quand on arrive à la fin de l'épisode. Désolé s'il n'était pas forcément très intéressant. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu faire, hein, vous avez bien vu. À part ce petit fail du début, mais bon, ça, c'est pareil, je connaissais pas le mob, je savais pas qu'il allait me propulser. Au fond, aussi loin en tout cas, avec une simple boule de neige, ou ce que, à quoi ça ressemblait en tout cas. Donc je vais rentrer à ma pseudo-maison. Ah, vous pouvez pas m'avoir, hein. Si je retrouve mon pseudo-trou, qui est là. Voilà. C'est parti, on remonte, et puis on va terminer là-dessus. Donc prochainement, avec vos avis, bon, je pense que vous allez quand même être pour que je mette tous mes items, ça m'aidera pas mal à me retrouver, d'une part, et je pense que pour le prochain épisode, je vais aller me faire ça tout de suite. Je vais pas enregistrer le deuxième tout de suite, mais je vais aller peut-être miner un petit peu dans le monde, dans l'autre monde, pour avoir un peu de stuff, un peu de fer, un peu de tout ça, pour m'équiper un petit peu. D'ailleurs que là j'en ai un petit peu, je pourrais peut-être m'équiper maintenant. On va s'équiper tout de suite parce que je prends vraiment vraiment très cher pour pas grand chose. Ce sera déjà ça. Voilà. Puis je me renseignerai là-dessus aussi. Voilà. Alors toi, je te garde bien précieusement. Je te mets au chaud. On verra bien comment tu me fonctionnes. Je sais pas s'il faut de cuir ou quoi, donc on va pas faire de bêtises. Si vous voulez mon avis, il faut le cuir. Ou alors il faut le miner avec une pioche particulière. À voir. Si vous savez, pour cette petite gravity arrow, bah n'hésitez pas, dites-moi. J'ai rien à faire avec. Si on fait cuire ça, ça fait quelque chose? Non. Juste petit test, par curiosité. Ok. Apparemment, donc il faut pas le faire cuire.
Donc ça me sera utile si vous connaissez la réponse. J'ai pas quelque chose à... Si j'avais vu un petit bout de steak qui dépassait. Puis sur ce, on va se laisser, les amis, et merci beaucoup encore une fois. Merci vraiment, 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 vraiment beaucoup de tout le soutien que vous m'avez mis au premier épisode avec tous ces pouces verts. Je vous encourage réellement à continuer. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Ça booste à fond. Alors là, si vous pouvez continuer à être aussi généreux en pouces verts et en commentaires... en commentaire, tout simplement. Allez-y parce que ça se fait vraiment super plaisir. Et donc sur ce, allez, salut tout le monde et au prochain épisode.